Bonjour les triconautes, j'espère que vous allez bien et que c'est une transition réussie. Dites-moi de suite dans le chat, sur 5, si l'image et le son vont bien. Est-ce que vous me voyez bien? Alors, en attendant, je vois qu'il y a beaucoup de monde, je vois qu'il y a Trésor Mimi, coucou! Valérie qui est là aussi, Sista, bien sûr, l'une de nos super modératrices, mais je crois que Anne, je l'ai vu passer, oui voilà, je l'ai vu passer, il y a aussi donc nos deux super modératrices. Valérie qui est au taquet, yes! Alison, coucou tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Mélise qui est là, coucou ma belle, ça me fait plaisir de te voir. Miss Benilis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Speedro qui est là aussi. Comment se passe votre confinement? Ben, ça se passe. Non, en vrai, ça se passe bien. Pouce bleu, dit Valérie. Super réflexe, pensez au pouce bleu, en effet. Alors, il y a aussi Valfemin, Ignacio, je ne t'ai jamais vu, Ignacio. Hello à tous, café tricot dans le jardin et la radio tricot, bref, au top. Yes, et bienvenue, en tout cas, moi je pensais pas t'avoir vu déjà, Ignacio. Waouh, il y a du monde, Guylaine qui est là aussi, Natalia, coucou, coucou, 5555555555, génial. Matou qui est là aussi. Obligé de me connecter en 4G sur le tel, dit Anne. Aïe, j'espère que ça va passer. Bonjour les triconautes, bonjour Jaenel, dit Clémentine, bonjour Matou. Heureuse d'avoir enfin pu me libérer pour être en direct aujourd'hui. 5-5 son et images, yes. Oh là là, Jaenel, ce pull rend tellement bien. Merci, j'aime beaucoup le bleu. Je vais vous faire une confidence. Le bleu, c'est une de mes couleurs préférées. Le bleu, je crois que je dois avoir... je dois avoir plusieurs vêtements de couleur bleue, j'ai bleu nuit, du bleu clair, j'aime beaucoup le bleu dans les différents tons. Je trouve que c'est une couleur qu'on voit assez peu en fait dans le tricot, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est une couleur qu'on voit assez peu. Coucou, 5-5, désolée de cette question idiote, mais qui est Matou? Matou, c'est le super chat qui est là-haut. Et c'est aussi un modérateur, il m'aide beaucoup pour gérer tout ce qui est problème informatique, etc. C'est lui qui gère tout ça. C'est lui qui gère tout ce côté-là. Ignacio, c'est le podcast de Becky. Les enfants ont piqué mon tel, alors j'ai pris le tel de mon homme, lol. Ah, je me disais bien. D'accord. Va, tout le monde, moi j'adore. J'adore le bleu aussi. Bien, je voulais encore te remercier pour ton aide sur le point du pull twist. Et merci au Discord, ça avance, yes. Leslie, elle est en train de faire un super pull twist. Et franchement, j'ai trop hâte de voir ça. J'ai des fans de Bleu Marine et beaucoup de mal à en trouver. Coucou tout le monde, je fais sonner mon téléphone pour ne pas louper le direct. Yes, c'est un super réflexe. Pour y en a plein qui me posent cette question, comment faire pour pas rater les prochaines radios? C'est tout simple, il suffit de t'abonner sur la chaîne YouTube, c'est là-dessous. Et en fait, tu as une petite cloche à côté de s'abonner et il faut qu'elle soit remplie, qu'elle soit grisée complètement. Et là, comme ça, tu auras toutes les notifications pour quand on sera en direct, etc. Et pour que tu rates aucun direct. Donc voilà, ça c'est la petite astuce. Bon, bah écoutez, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? J'ai eu beaucoup de messages cette semaine. Vous avez vraiment repris les aiguilles pendant le confinement, c'est cool. Je trouve en fait de... Vous vous occupez, vous trouvez de quoi vous occuper et je trouve ça vraiment bien. Il y en a plein qui me disent que justement elles sont en train de rattraper les pulls qu'elles ont laissés de côté du coup. Et du coup vu qu'elles sont en confinement, elles sont obligées de travailler sur ces pulls là. Donc forcément il y a moins d'encours. Donc c'est, voilà, on va dire c'est un positif si on voit le positif. Super ton pull, le pull twist sera bleu d'ailleurs. Oui j'ai vu un superbe bleu nacré. J'adore. Oui, ça va bien, dit Cécile. Ah, Cécile, notre belle Cécile. Claire aussi. Bien, bon, bah écoutez, ça me fait vraiment plaisir de vous voir, de voir tout ce monde sur cette radio. Vraiment, ça me fait super plaisir. Le confinement ne va TB provisoirement. J'ai pas compris TB, mais ok. Juste Clémentine, une semaine chargée côté boulot, mais superbe week-end désherbage, peinture et tricot. Aujourd'hui avec vous, après un premier barbecue réussi. Ah, ça c'est chouette. Merci pour les mails tous les jours, ça m'aide beaucoup. Avec plaisir Speedo, je suis contente que les mails te plaisent. Guylaine, comment des tricoteuses peuvent s'ennuyer? Ça c'est ce que je dis, il y en a beaucoup qui m'avaient écrit en me disant qu'ils étaient inquiètes par rapport au confinement, etc. Et j'essayais de
dédramatiser ça en disant qu'en fait, en tant que tricotonaute, ça fait des années qu'on se prépare à ça. Ça fait des années qu'on tricote. Donc du coup, en fait, ça fait... Est-ce que ça fait pas des années aussi que vous avez envie de rester chez vous et de pouvoir tricoter des éléments? Bon, après, c'est vrai que je pense aussi à toutes ces tricotonautes, tous ces tricotonautes qui sont sur le terrain et qui travaillent justement pour éradiquer ce vilain virus. Donc on pense beaucoup à vous en tout cas. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui m'ont écrit, je pense fort à vous et je suis contente que les patrons que vous avez reçus, du coup, vous plaisent. Donc vraiment, merci beaucoup pour tout ce que vous faites et on pense fort à vous. Et j'en profite quand même, je les oublie pas, toutes les triconautes et tous les triconautes qui nous regarderont en replay, du coup, parce qu'elles travaillent ou quoi que ce soit. Donc voilà, des bisous à vous, vous êtes géniales. Quand je tricote, la semaine passe vite. Je suis en train de faire des maniques peut-être ? Mais en tout cas, c'est une bonne idée, les maniques, je trouve ça bien. Faut les faire en coton, hein, par contre. Hein. Faut pas les faire en polyester, sinon ça fond. Hein. Le rouge est très beau, ça va être difficile de choisir. pendant le confinement, pas de SAV maman, alors je me jette à l'eau. Je me suis attaquée à l'assemblage de ma première marinière, faite toute seule comme une grande. Et résultat, ok, yay. Je lis actuellement un livre qui s'appelle « Les garçons ne tricotent pas ». Il est génial et très utile. Je connais pas, mais je prends la référence et je me la note. Franchement, je répète pour celles qui aiment lire, « Les garçons ne tricotent pas ». Si tu as l'auteur, Speed Draw, ça serait cool. Comme ça, je me le note en référence à la fin. Formation, dit Fille du Vent, mais on va en parler, vous inquiétez pas. Sandrine, des masques, oui, ça c'est une bonne idée aussi. Moi j'adore tricoter, dessiner et les jeux vidéo. Si je n'avais pas d'enfant, je serais étonnamment comblée. Mais pas le temps pour ça malheureusement. Juste un peu de tricot, mais à peine. Je combattis, Mélise. J'espère que tu vas bien. J'ai vu que tu es de plus en plus souvent sur le Discord, ça me fait plaisir. Et j'espère que tout se passe bien pour toi. Anne qui dit coucou tout le monde. Alors là, moi je suis un garçon et je tricote, dit le neuf. Ah. Ben voilà. Non mais on en a de quelques-uns des hommes qui tricotent et qui sont sur la radio tricot régulièrement. Pas tout le temps, mais parfois je les vois passer et ça fait toujours plaisir de les voir. Bonjour à tous. T.S. Easton, et il raconte l'histoire d'un garçon fan de tricot mais qui ne l'assume pas. Ah, alors du coup, le neuf, c'est pour toi peut-être. Je sais pas, mais c'est l'histoire d'un garçon, ça peut peut-être t'intéresser aussi. Bon, en vrai, ça intéresse tout le monde. Moi, j'aime beaucoup lire tout ce qui est autour de ça. Il y avait un livre, c'était... je me souviens plus le titre, mais c'était... L'histoire d'une mercière, ou la petite histoire d'une mercière. Quelque chose comme ça. Et j'ai beaucoup aimé ce livre. Alors, ok, c'était pas de tricot pur, mais j'avais beaucoup aimé ce livre. Je suis bien contente qu'on soit que deux et des poilus à la maison en ce moment. Très bien les garçons, Monique, comment allez-vous? Bonjour les triconautes, dit Choubouyou. Bien, bon, alors du coup, on commence l'intro? Comme d'habitude, je me présente rapidement pour les triconautes qui ne me connaissent pas. Je suis JNL, blogueuse tricot, créatrice de patrons et formatrice tricot sur le blog lestriconautes.com. Vous pouvez me retrouver bien sûr sur tous les autres réseaux sociaux possibles et inimaginables. Tricostérone, ah voilà, un peu plus de garçons. Tricostérone, il se cache en fait. Mais parfois il sort de sa cachette. Coucou en tout cas à toi, ça me fait plaisir de te voir. Faut que je t'écrive un mail, Tricostérone. Faut que je t'écrive un mail, j'aimerais que tu passes dans un prochain café tricot. Virginie, coucou JNL, je suis en train de faire le Pulsevana, bien avancé, cool, yes, j'ai hâte de voir ça. Il y a également le Club des tricoteuses du vendredi soir comme livre. Oui, celui-là, je l'ai lu aussi. C'est vrai, j'y avais pas pensé. C'est pourtant, c'est pour le coup. Bien. Valérie qui demande sur Ravelry. Je suppose que tu me demandes si je suis sur Ravelry. Oui, je suis sur Ravelry, mais je tiens absolument pas mon Ravelry. Donc, il est absolument pas à jour. La seule chose que je fais, je crois que j'ai même pas mis le chapitre 3 de la collection Islande sur les patrons. Donc, oui, je suis sur Ravelry, mais je suis assez peu présente dessus. Quel est le nom du modèle que tu portes? On en parle après. On en parle après, Sandrine, je garde ta question de côté. Le livre, c'était pas la liste de mes envies? Ah, si. Si, je crois que c'est ça, Marie-Estelle. Si, c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est la liste de mes envies. J'ai complètement oublié, c'est l'histoire d'une mercière. Et je pensais que c'était le titre, c'était mercière. Ça va pas bien. Bref.
Pas de problème, tu peux me retrouver sur Ravelry avec le même pseudo si tu veux m'écrire. Oh, c'est bon à savoir. Merci, merci Tricosterone, je le note. Bon, et bon, avant de commencer, je pense que je l'ai vu dans le chat. Je sais pas vraiment si c'est elle parce que des Clémentines, il y en a plein. Mais je voulais en tout cas faire une grosse pensée à Clémentine qui se reconnaîtra et qui est peut-être en train de faire les peintures de la chambre de son bébé à venir et qui m'a écrit un très joli mail que je vous lirai un petit peu après. Donc, j'ai de grosses pensées pour toi, Clémentine. Voilà. Et c'était aussi l'anniversaire de Jocelyne, je crois. Donc, si c'est Jocelyne, je crois que c'est ça. Bon anniversaire à toi. J'ai eu le message hier soir et du coup, je me suis dit, oh, faut que je pense à lui dire aujourd'hui. Donc, je crois que c'est ça, Jocelyne. Joyeux anniversaire à toi. Pensez au pouce bleu, dit Matou. Pensez au pouce bleu. C'est bon pour le référencement et ça fait connaître la radio aux triconautes qui ne la connaîtraient pas. Bien, alors, avant de commencer, oui, je voulais aussi vous dire de bien rester jusqu'à la fin de cette radio parce que j'aurai quelque chose dont je dois vous parler durant cette radio qui pourra vous intéresser et qui est justement sur le thème. Donc du coup, restez bien jusqu'au bout. Donc, on commence l'intro. On commence l'intro et pour cette intro, je vais bien sûr vous parler du Café Tricot qui a été publié hier et qui portait du coup, qui était avec Elodie de Unknitting Journey, qui a son podcast YouTube et franchement, moi ça m'a bien plu de parler avec Elodie parce qu'on a beaucoup parlé des tests en tricot et c'est vrai que c'était important pour moi de vous en parler aussi et du coup quand elle a commencé à en parler, je me suis dit que c'était le moment idéal pour vous en parler en fait. Donc du coup on a beaucoup échangé sur ce sujet et j'ai vraiment beaucoup apprécié la conversation que j'ai eue avec elle. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore allé voir le dernier Café Tricot, il est disponible sur la chaîne et c'est du coup avec Unknitting Journey qui nous parle des tests tricot. Voilà, voilà. Alors après, je voulais vous parler aussi. Bouh, j'ai plein de choses à vous dire. Oui, je voulais vous lire du coup le mail de Clémentine. Vous savez, de temps en temps, je vous lis certains des mails privés que, enfin, des réponses aux mails privés que je reçois. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, les mails privés, c'est un mail privé tous les dimanches à 10h. Et je vous parle de divers sujets. Souvent, je vous parle de thèmes autour du tricot. Je vous parle de sujets, de moments de réflexion, on va dire, autour de la pratique du tricot en elle-même. Donc, du coup, si ça t'intéresse de recevoir ces mails privés, tu peux t'inscrire. Il y a le lien, normalement, dans la description. Et c'est un mail privé par semaine, tous les dimanches. Voilà, donc du coup, je reçois beaucoup de réponses. Et souvent, je sélectionne une petite réponse ou deux. Et là, j'ai choisi de sélectionner le mail de Clémentine, qui m'a vraiment touchée, en fait, parce qu'elle nous parle de la naissance de sa passion pour le tricot. Et du coup, je voulais vous partager ça. Alors, je commence. Cher Jaenel, c'est avec moult retard que je réponds enfin à ton courrier de la semaine dernière. Cette drôle de période a fait gonfler mes journées de travail, qui l'eût cru, alors je n'ai plus vraiment le temps de faire ce que j'aime entre ça et l'arrivée de bébé à préparer. Mais, ce dernier courrier de ta part m'inspire, j'ai envie d'y répondre même si c'est une semaine après. Ce que m'a inspiré ton sujet, le plaisir d'offrir dans le tricot, c'était le thème du mail privé, c'est ma toute première fois au tricot. C'est en voulant faire plaisir à une personne très spéciale que j'ai demandé à ma maman de m'apprendre à tricoter. En effet, ma grand-mère paternelle, mère de 9 enfants, grand-mère de 21 petits-enfants, a toujours tricoté énormément pour nous tous. Malheureusement, la vie lui a pris sa vue et donc elle ne peut plus tricoter pour les arrière-petits-enfants et leur transmettre cet héritage. Car au-delà de nous habiller, c'est une passion qu'elle nous offrait lorsqu'elle nous laissait la regarder faire pendant des heures les soirs de Noël. Son amour du tricot est venu par le plaisir d'offrir car elle ne tricotait que rarement pour elle. Mon envie d'apprendre le tricot est alors venue lorsqu'elle ne fut plus en capacité de pratiquer sa passion et de me l'enseigner. J'avais alors 10 ans et je voulais lui offrir une écharpe, mais pas n'importe laquelle, une que j'aurais fabriquée moi-même, comme elle le faisait avant pour ma sœur et moi. C'est comme ça que j'en suis arrivée à demander à ma mère de me montrer comment faire. Je savais qu'elle connaissait suffisamment le tricot pour me l'apprendre et ce fut parti. Je me suis lancée dans une écharpe en dégradé de verre grâce à un fil chevelu, un sacré défi pour une première fois. J'ai offert cette écharpe à ma grand-mère qui fut très touchée, puis j'ai longtemps laissé mes aiguilles de côté.
avant de les ressortir à l'âge de 24 ans, là encore pour le plaisir d'offrir. J'ai confectionné cette fois-là de petits bonhommes de neige en chaussettes que j'ai habillés de mini écharpes et de bonnets. Tous ont été déposés au pied du sapin pour le Noël de mes collègues de l'époque. Aujourd'hui encore, ils trônent tous fièrement dans leur bureau. Depuis 3 années de passion se sont écoulées. Je n'ai cessé de vouloir progresser et je n'ai cessé de confectionner de nombreux ouvrages pour les autres. Seuls 2 pulls et 1 paire de mitaines sont dans ma garde-robe, le reste est parti de bon cœur à ceux que j'aime et ceux qui ont pu croiser ma route et me demander un ouvrage. Mais maintenant que la vie change, je me consacre un peu plus à moi, enfin pas vraiment, puisque quand je dis moi, je veux dire le petit ange qui va nous rejoindre en septembre. Encore une fois, le plaisir d'offrir est plus fort que tout. J'espère ne pas t'avoir fait trop de lecture, j'avais vraiment envie de partager mon histoire de triconaute avec toi. J'espère vous suivre en direct demain, mais ce sera sûrement peinture au programme, je dois finir les montagnes colorées prévues pour la chambre de bébé. Je te souhaite un agréable week-end ensoleillé, amicalement Clémentine. Donc, merci beaucoup Clémentine pour ton mail, moi j'ai adoré lire ce message, je sais pas ce que vous en avez pensé les triconautes, mais moi j'ai trouvé ça extraordinairement touchant, j'ai trouvé ça extraordinairement beau. Et moi, c'est typiquement le genre de mails que j'adore lire et qui vont me faire avoir une petite larme au coin de l'œil en disant « Ah, oh, mais c'est trop beau, c'est trop magnifique !» Donc du coup, merci beaucoup Clémentine, j'espère que tu vas bien, j'espère que ton accouchement se passera bien. Et si tu n'es pas en direct, je te fais de gros bisous en replay. Voilà, voilà, vous voyez, j'ai les larmes aux yeux tellement ça m'a touchée. Je reprends le chat. Ouais, je me remets de mes émotions. Bonjour à toutes et à tous, dit Christelle. Manon qui dit bonjour aussi. Très touchant son histoire, oui, je suis tout à fait d'accord. Très beau mail de Clémentine, il est super, c'est une histoire magnifique. Très beau mail. Oui, voilà, moi j'aime beaucoup vous lire des jolis mails comme ça, parce que ça, ça fait partager aussi des, comment dire, de belles histoires en fait. Et je pense qu'on en a bien besoin. Donc du coup, merci beaucoup Clémentine pour ce partage, ça nous a fait du bien. Bon, eh bien écoutez, on va démarrer. Je vais me servir une tisane et on va démarrer. Hop. Est-ce que vous l'avez votre tasse de tisane? Moi j'ai la théière carrément, pour pas être en manque. Quel drôle de sentiment d'entendre mon histoire racontée de ta jolie voix. Merci d'avoir su apprécier et partager ce souvenir. Donc juste Clémentine était bien la fameuse Clémentine, j'étais pas certaine, mais c'est bien ça. Donc merci Clémentine, j'allais dire Justine, mais merci Clémentine. Je suis ravie d'avoir partagé ça. Et on espère que la peinture se passera bien. Bon, alors on va démarrer, ça vous dit? Allez. Alors, je vous ai pas fait de moment histoire cette fois, parce que j'en avais déjà fait un pour tricoter le pull parfait sur les pulls, et je vous avais parlé, j'en avais profité pour vous reparler des pulls, de l'histoire des pulls, d'où ils venaient, et aussi de l'origine du tricot en rond. Donc vous vous en souvenez certainement, c'était les Madones à tricoter, les fameuses gravures, etc. Donc, je n'ai pas fait de moment Stéphane-Edouard, mais il y a quand même pas mal de choses parce que j'ai pris toutes vos questions. Ah oui, un petit thé, je vais aller chercher un peu de drogue, tiens. Suis sous perfusion café-thé en ce moment. les mamies tricoteuses, coucou, bravo pour ce partage. Le 9, bon moi je dois vous laisser, les triconautes, j'ai un draou, ça a terminé, à plus tard. À plus tard. Leslie, tisane d'allaitement pour écouter ce radio tricot sur ma télé. Yes! Bon. Et Elisabeth qui est pour la première fois en direct avec nous. Bienvenue à toi. Bon, allez, c'est parti. On se met en route. En plus, j'ai plein de choses à vous dire, comme je vous disais. Donc, le premier thème dont je voulais vous parler et qui m'a été beaucoup demandé, c'est comment et où prendre les mesures exactes quand on veut tricoter un pull. C'est une grande question parce que prendre ces mesures, ça demande un peu de temps, mais c'est surtout que c'est un élément essentiel pour réussir son pull. Donc du coup, prendre ces mesures, ça demande du temps, ça on est d'accord. Il faut savoir aussi que prendre ces mesures à deux, c'est un peu plus facile que si tu dois te débrouiller toute seule. C'est possible de le faire seule, mais c'est un peu plus galère. Donc du coup, autre astuce pour ne pas fausser les résultats de tes mesures, je te conseille vraiment de te mesurer sans vêtements. Donc c'est le mieux, c'est de se mettre en sous-vêtements carrément, c'est la meilleure des choses à faire.
Tiens-toi de manière naturelle, pas courbé, pas penché, sans retenir ton souffle ou sans rentrer le ventre. Vraiment, il faut que tu sois la plus détendue possible, la plus naturelle. Donc du coup, autre conseil, si une mesure te paraît bizarre, n'hésite pas à la reprendre à nouveau. Et en fait, c'est possible aussi que dans une mesure, il y ait parfois des petits écarts. Tu peux avoir des écarts de 1-2 cm. Donc vraiment, si tu as des petits écarts, fais la moyenne des deux éléments que tu as et ça sera une mesure plus que correcte. Alors, c'est parti. Donc, petit conseil, pour les pulls, je vous ai sélectionné quelques éléments qui sont vraiment indispensables. Pour prendre la mesure du pull, vous pouvez prendre le tour de tête. Pourquoi ? C'est tout simple, pour passer la tête. Vous n'avez pas envie de vous retrouver avec le pull comme ça, là, avec le col qui dépasse là-haut, à pas pouvoir passer la tête. Donc le tour de tête est quand même important. Donc bien sûr, le tour de tête, ça se prend du milieu du front en passant au-dessus des oreilles. Donc ici pour moi. Le tour de poitrine après, donc le tour de poitrine, vous le mettez dans le dos, vous ramenez le ruban au milieu de votre, sur le devant, au milieu des seins. Et bien sûr, vous évitez de gonfler la poitrine en respirant, comme ça, c'est pas possible. Ou alors de vous la creuser aussi quand vous êtes comme ça. Donc essayez d'être la plus naturelle possible, tout simplement. Donc hop, comme ça devant, et vous avez votre numéro de ruban. Bien sûr, tout ça, ça se fait au mètre ruban. Hein. C'était une triconneuse qui me disait « Est-ce que je peux le faire à la règle ?» Non, ça, c'est pas possible. À la règle, c'est pas possible. Donc du coup, au mètre ruban, c'est le plus facile. Alors, je vois un message de Mélise qui est en rouge. « Pour les filles, la période dans le mois fait énormément varier certaines mesures poitrine-taille. » À quelques jours près, on a quelques centimètres de différence souvent. Bon à savoir. Voilà, on note ça dans un endroit, ça c'est bon à savoir. Ah oui, j'ai déjà eu des soucis avec les cols trop serrés, lol. Oui, voilà, ça tu connais, c'est le pull qui reste coincé là et tu peux pas l'enfiler. Donc c'est vrai, on a tendance à l'oublier. Donc merci Mélise pour ce rappel. Après, donc là, tu as fait le tour de poitrine. Il faut faire aussi le dessous de poitrine. Donc le dessous de poitrine, tu ramènes le ruban du dos sur le devant en passant cette fois sous les seins. Donc sous les seins, tu prends ta mesure. Tu as la carrure du devant. Donc la carrure du devant, en fait, c'est soit tu le prends devant si tu es seul, soit tu le prends derrière dans le dos. Et en fait, dans le dos, on appelle ça l'entre-épaule. Et si tu le prends devant, c'est la carrure du devant. Cette mesure, elle est importante. Elle détermine la distance qu'il y a entre tes deux épaules. Donc du coup, il faut que tu places le mètre à la mi-hauteur de chaque emmanchure. Donc emmanchure, c'est ça. Une emmanchure, c'est ça. Voilà. Ça, c'est une emmanchure. Donc du coup, au milieu, c'est ça. Donc au milieu de l'autre côté, c'est là. Voilà. C'est là. Et du coup, ça, c'est votre carrure. Donc ça, c'est important aussi de prendre cette mesure. La carrure du devant est pareil dans le dos. Enfin, devant si vous êtes seul. Et dans le dos si vous avez quelqu'un, pour vous mesurer. Le tour de taille, bien sûr, donc ça vous savez, le tour de taille c'est la partie la plus étroite du buste, donc c'est au-dessus des hanches, souvent. Vous prenez la mesure sans rentrer le ventre ou le gonfler, et ça c'est votre tour de taille. Après, il y a le tour de bassin. Le tour de bassin, vous placez le mètre de manière à faire le tour des fesses au niveau de la partie la plus forte, et vous ramenez devant. Voilà, ça c'est le tour de bassin. Là, vous avez le tour de bassin. Après, le tour de bassin, il faut savoir qu'il peut varier en fonction de la longueur du pull que vous voulez. Moi, j'aime pas trop les pulls qui descendent trop bas. Donc du coup, moi, mon bassin, je le prends un peu plus haut, je le prends au niveau des hanches. Donc là, votre bassin, ça dépend aussi de la longueur du pull que vous voulez. La longueur du bras, celle-là, elle se prend pliée. Pourquoi ? Pourquoi elle se prend pliée ? Ben parce qu'en fait, vous avez besoin de plus de tissu si vous pliez le bras. Sinon, vous allez vous sentir à l'étroit. Si vous prenez la mesure avec le bras plat, vous allez vous sentir à l'étroit quand vous allez plier le coude ici. Donc du coup, c'est pour ça qu'on dit, cette mesure, il faut la prendre coude plié. Comme ça, vous n'avez pas de problème. Et le mieux, c'est de se faire aider pour cette mesure quand même. Hein. Ça sera le plus simple. Donc, plie le bras doucement, normalement. Et tu mesures la distance entre l'os de l'épaule et celle du poignet en passant par le coude. Donc vraiment, c'est cette mesure-là. Donc os de l'épaule ici pour moi. Et os du poignet ici. Clac, clac.
Voilà. Désolée, c'est pas glamour, mais voilà, voilà. Bah, il faut le dire. Oui, oui, on a tendance à gonfler. Tout le monde, hein, donc vous inquiétez pas, tout le monde est au même régime. Il n'y a pas toutes ces mesures sur les patrons. Alors, il n'y a pas forcément toutes ces mesures sur les patrons, non, parce qu'en fait, sur le patron, tu vas avoir ce qu'on appelle des schémas, tu vas avoir des éléments plus clés. Mais j'ai voulu vous donner, en fait, un ensemble plus complet de mesures pour les triconautes qui souhaiteraient se tricoter leur propre pull et qui savent pas où prendre les mesures. La révélation sur la mesure du bras. Je suis super ravie de t'avoir appris quelque chose. Oui, autrement, le poignet arrive au milieu du bras. Question. Comment savoir la taille d'emmanchure? Ah, la taille d'emmanchure. La taille d'emmanchure, normalement, c'est de là à là, au niveau de l'aisselle, ici. Mais, si tu as du mal à la prendre, parce que t'es toute seule, c'est pas une mesure qui est super pratique, hein. Et en plus, il y a plein de raisons pour lesquelles tu peux te tromper. À 2-3 cm près, parce que t'as l'os, t'as pas l'os, etc., tu perds 1-2 cm. Allez. Moi, ce que je conseille, c'est de prendre la mesure en diagonale sur un pull que tu as déjà et qui te va bien. Et tu prends au niveau de la couture. La couture d'emmanchure, là, tu prends ta mesure à ce niveau-là sur un pull que tu as déjà réalisé et qui te va bien. Et tu verras, tu auras beaucoup moins d'erreurs. Donc, c'était Johanna qui me posait la question. Voilà. Sista. Vous connaissez pas J.A.N.L. les bons tuyaux. Sista Sand, c'est une bonne astuce pour le bras. Bien. Mais je suis contente en tout cas de vous avoir appris quelque chose sur la mesure du bras. Alors, après, une autre question, mais que j'ai tout le temps, mais absolument tout le temps. C'est comment relever les mailles? Alors, cette question, moi j'aimerais que vous me disiez dans le chat ou dans les commentaires si vous regardez en replay, j'aimerais que vous me disiez pourquoi le relevage de mailles, ça, si vous avez des problèmes avec le fait de relever les mailles ou pas. Et si oui, pourquoi? Quel est votre problème par rapport à ça? Parce que je reçois une quantité indécente de questions à ce sujet, comment relever les mailles, et je dois vous avouer que je comprends pourquoi c'est une difficulté, je comprends pourquoi il y a un problème, mais je comprends pas pourquoi il y a autant de personnes. Donc moi j'aimerais bien savoir. Donc dites-moi dans le chat, si vous êtes en direct, ou dans les commentaires, si vous êtes en replay, est-ce que vous, ça vous dérange de relever les mailles? C'est mon premier pull, du coup je ne vois pas trop comment... Pour prendre la mesure d'emmanchure, dit Johanna. Alors, la mesure d'emmanchure, si vraiment t'as aucun pull, je te montre. La mesure d'emmanchure, c'est là. Voilà. Et en fait, ça, c'est si tu fais un pull droit. Donc, si tu fais un pull droit, l'emmanchure, c'est de là à là. Et si tu fais un pull raglan, l'emmanchure, ça sera de là à là. Voilà. Donc, ça sera en légère diagonale. Donc, ça dépend du pull que tu veux tricoter. Si tu veux faire un pull droit, l'emmanchure, c'est ça. Si tu veux faire un pull à manches raglan, l'emmanchure, elle sera plus en diagonale par rapport aux augmentations du raglan. Voilà. Donc du coup, j'espère que ça t'aura aidé, Johanna, que ça t'aura éclairé. Yum, yum, yum. Oui, ça m'arrive de prendre plusieurs brins. Pas compliqué pour moi avec l'aiguille droite ou même le crochet. J'ai l'impression de rater des mailles quand je les relève. Pas de problème pour moi. Déjà, faudrait que je comprenne la phrase « comment relever des mailles ». Mais j'ai du mal aussi. Oh oui, j'ai du mal avec le relevage de mailles. Quand je vois ça sur un patron, ça me stresse d'avance car j'ai peur d'en oublier une et surtout comment relever correctement. Ma difficulté pour relever les mailles, bien piquer la maille du bon côté. Jamais eu de soucis, surtout quand tu as fait une vidéo claire dessus. J'ai fait avec un crochet, c'est encore plus rapide. C'est vrai, avec le crochet, c'est encore mieux. Dur de les répartir, souvent, je mets des marqueurs au milieu, quart de longueur, et j'essaie de diviser pour mettre le même nombre de mailles entre chaque marqueur, mais dur de tomber juste parfois. Mais j'aime bien faire. Je n'ai jamais utilisé cette technique de relevage de mailles. Encore jamais fait, mais il ne faut que je le fasse, car l'encolure du pull de mon mari que j'ai tricoté sur aiguille droite est pourrie. Pour avoir un résultat correct, je prends un crochet, je mets maille après maille sur mon aiguille à tricoter. En général, c'est écrit sur le patron combien de mailles il faut relever, donc ça va. Oui, merci beaucoup, je vais m'entraîner sur monsieur. Vous pouvez prendre monsieur comme mannequin. Je trouve que c'est pas évident de relever le bon nombre de mailles pour une patte de boutonnage. Quand j'ai fait un gilet, je n'ai pas relevé le même nombre.
J'ai vraiment du mal à tomber sur un nombre correct et c'est reparti, souvent trop serré ou gondolant. Ah, d'accord. C'est le nombre de mailles vraiment qui vous... Enfin, il y a aussi la technique, j'ai l'impression, mais un peu moins, mais plus c'est le nombre. Alors, déjà, je vais parler de la technique et après, on parlera du nombre. Donc, du coup, sur certaines lisières, du coup, il faut parfois, donc sur définition, pour un col... Je l'ai déjà vu pour des poignets aussi, pour des bandes de boutonnage, tu peux avoir besoin de relever des mailles. Donc bordure, col, manche, tout ça, c'est tout à fait possible que tu aies à un moment besoin de relever des mailles. Qu'est-ce que c'est relever des mailles? C'est créer à partir des mailles lisières existantes de nouvelles mailles sur une aiguille à tricoter pour ensuite tricoter la partie à ajouter. Voilà. Bon, alors cette technique, moi je la trouve assez pratique, surtout qu'elle permet d'éviter d'avoir une nouvelle pièce à joindre par couture. Et en plus, grâce à elle, le rang de maille, je trouve, sera plus élastique et moins volumineux qu'une couture. Donc, autre avantage. Alors, petite astuce avant de commencer. Quand tu veux relever des mailles, pense bien à bloquer les différentes pièces. Ça sera bien plus simple de relever les mailles sur une pièce qui est bloquée que sur une pièce qui n'est pas bloquée. Donc vraiment, petit conseil, pensez à ça, bloquez les pièces avant de vouloir relever des mailles. Vraiment, vous verrez, ça change la donne. Hein. Donc ça, première astuce. Deuxième astuce, pour relever un grand nombre de mailles, je vous conseille d'utiliser une aiguille circulaire. Laissez tomber les aiguilles droites, c'est même pas la peine pour moi. Vous prenez une aiguille circulaire si vous avez 100, 200, 300, 400 mailles à relever, mais alors là, c'est aiguille circulaire directe. Et même pour vous dire, moi, c'est aiguille circulaire tout le temps. Autre astuce, les mailles doivent toujours, vous le mettez en majuscule, en gros, tamponné, souligné, en rouge, toujours être relevé à l'endroit. Pourquoi? Parce que si vous relevez à l'envers, vous aurez la couture de relevage des mailles, et ça c'est pas joli. Donc du coup, pensez bien quand vous relevez les mailles à relever sur l'endroit du tricot et pas sur l'envers du tricot. Donc vraiment c'est très très important. Bon, je relève les mailles avec un crochet et je les glisse sur mon aiguille. C'est un peu comme une augmentation, c'est pas vraiment une augmentation. C'est vraiment le fait de reprendre les... C'est comme si là, voilà, je vais montrer un exemple. C'est comme si là, au niveau de ma manche, je m'étais arrêtée au jersey là et j'avais rabattu mes mailles. Je rabats mes mailles et là je dis « Mince, j'ai oublié de faire le poignet !» Et là, en fait, pour pas avoir à défaire tout le rabattage, je relève mes mailles et je continue à tricoter les côtes de mon poignet là. C'est ça, relever les mailles, en fait. C'est, en fait, continuer un tricot, par exemple, pour une raison X ou Y, pour lui donner une forme, pour ajouter une bande, pour ajouter un col, etc. Anne, ça fait carrément plus propre de relever des mailles pour les pattes de boutonnage et les cols. Ça, on est d'accord. Pour gel mer, j'ai cousu. Oui, mais c'est un choix. Tu peux coudre, mais personnellement, pour avoir une meilleure finition, je préfère relever les mailles. Ah ouais, le vilain bourrelet, oui. Oui, c'est ça. Le vilain bourrelet, c'est si vous vous trompez de côté pour... Ça vous fait comme une couture, en fait. Si vous vous trompez de côté, vous le voyez très vite, parce que quand vous relevez vos mailles sur l'endroit de votre tricot, ça vous fait des petites bosses, comme si vous aviez tricoté en point mousse, en fait, à cet endroit-là. Ou comme une couture que vous auriez laissée. Donc, ça, c'est pas génial. Je vais vous montrer quelques photos sur comment relever les mailles. Matou, il nous a fait de super montage. Voilà. Donc, je vais vous parler de plusieurs techniques. Donc, sur un rang de montage ou sur un rang de mailles rabattues, donc c'est-à-dire des lisières horizontales, comme celles que l'on voit là sur la photo, vous devez utiliser la technique là que vous voyez en photo. Donc pour ça, vous glissez l'aiguille de l'avant vers l'arrière sous les deux brins de la première maille. Donc vous savez, ça vous fait des petits V. Vous glissez le brin, là on le voit très bien en plus sur le dessin, vous glissez l'aiguille dans ces deux brins là. Après, vous enroulez le fil autour de la pointe de l'aiguille, vous ramenez ce fil sous les brins de façon à former une nouvelle maille, donc une boucle. Et après, vous procédez de la même façon avec les autres mailles du rang. Et pour les triconautes qui disent « mais moi je sais pas où est-ce qu'il faut relever mes mailles », normalement, dans le patron,
il vous est indiqué soit le nombre de mailles à relever, soit vous avez, par exemple, relevé une maille pour 3 mailles tricotées. Ça, c'est possible aussi. Donc là, c'est par exemple, il va falloir faire fonctionner vos petits yeux. Et vous devrez compter 1, 2, 3 mailles sur votre tricot. Et là, vous relevez une maille. 1, 2, 3 mailles, et hop, vous relevez une maille. 1, 2, 3 mailles, vous relevez une maille. 1, 2, 3 mailles, vous relevez une maille, etc., etc. Alors, et puis si le patron ne vous indique rien, l'autre solution, c'est tout simplement de... C'est-à-dire que le patron vous laisse le choix, tout simplement. Il vous dit, ben voilà, vous relevez le nombre de mailles qui vous sera nécessaire pour avoir un fini propre. Tout simplement. Et pour ça, en fait, vous pouvez vous baser sur le nombre de mailles que vous avez fait, tout simplement, pour pas avoir quelque chose qui soit trop serré. Et vous pouvez même partir sur une base de une maille relevée pour deux mailles tricotées. Ça, c'est à peu près ce que je fais quand le patron ne m'indique pas le nombre de mailles à tricoter, parce qu'il y a des patrons qui ne vous indiquent pas le nombre de mailles à tricoter, à relever, pardon. Quand vous avez ça, vous... Je vais y arriver, j'ai bloqué, mais je vais y arriver. Voilà, vous relevez une maille pour deux mailles tricotées. Normalement, ça doit, moi, de manière générale, ça passe tout le temps, une maille relevée pour deux mailles tricotées. Alors, ce qui est stressant aussi, c'est que l'école, les pattes, c'est à la toute fin, le truc qui peut ruiner ton pull à la fin, histoire de bien te frustrer. Ah oui, c'est ça, c'est vrai que c'est un peu, ça peut être frustrant. Pour un col, on peut relever les mailles alors que toutes les pièces sont assemblées ou faire un col propre après. Tu peux relever les mailles alors que toutes les pièces sont assemblées. Tout à fait. Quand tes pièces sont cousues, tu relèves les mailles de ton col et là, tu fais ton col en rond, par exemple. Si vous êtes en galère là-dessus, venez nous voir sur le Discord. On a déjà aidé une triconaute qui n'avait jamais relevé de mailles. Voilà, ça, pensez-y. Quand vous avez des soucis, pensez au Discord. C'est l'endroit où vous aurez le plus rapidement une réponse parce que c'est ce que je disais à une triconaute qui m'avait écrit. Quand vous m'écrivez des mails, c'est avec plaisir que je vous réponds. Je réponds toujours à vos mails, mais par contre, je mets parfois longtemps à répondre parce que, pas longtemps, mais on va dire qu'il peut y avoir un jour qui passe pour que vous ayez une réponse parce que tout simplement, il y a trop de mails. Voilà, j'arrive plus à gérer. Donc, quand vous avez une question pour un tricot et que ça demande par exemple une réponse urgente, n'hésitez pas à aller sur le Discord. Vous aurez plus facilement une réponse et plus rapidement. Même si je réponds toujours à vos questions. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Je réponds toujours à vos mails. Mais c'est pour ça que c'est long, du coup. Parce que vu que je réponds à tous les mails, c'est long un peu parfois. Et comme parfois on recommence des faits, ça peut détendre un peu quelques mailles, faut pas rater. Je note pour le blocage, je le fais plutôt en dernier d'habitude. Pour ajouter les bandes de boutonnage, c'est pas 3 mailles sur 4, ça dépend des patrons, Martine. Vraiment, ça dépend des patrons, il y en a certains qui disent 2 mailles pour... Alors, moi, ce que je recommande, de manière générale, si le patron n'indique rien, c'est 2 mailles pour 4. Mais si le patron indique 3 mailles pour 4, faut suivre 3 mailles pour 4. 3 mailles pour 4. 1 maille pour 4. Moi, merci, le dessin me parle bien. Nous faisons aussi attention à relever de façon très régulière, toujours au même endroit, ça donne une finition parfaite. Voilà, très bien relevé les mamies tricoteuses. Mélise, je n'arrive pas à voir si c'est le même trou sur le dessin, mais je pique dans le trou du V, je crois. Oui, c'est ça. En fait, au niveau du V, là, tu piques dessous et tu prends les deux brins. Comme ça. Ah, il faut prendre le V et pas qu'un bout de V. Non, non, il faut prendre le V tout entier. J'ai déjà vu qu'on relevait les mailles sans ramener le fil en faisant des boucles. Mais il y a d'autres techniques, on va en parler, Elisabeth. Et quand les mailles ne sont pas bien claires, tu veux dire par exemple pour un fil particulier, Monique? Parce que là, normalement, c'est pour des... Là, ce que j'explique, c'est par exemple quand tu as rabattu un rang. Donc normalement, les mailles, quand tu as rabattu un rang, elles sont bien visibles plutôt. Pour Gelmer, c'était marqué coudre, dit Cécile. Oui, mais en fait, ce que je veux dire, c'est tu n'as pas mal fait. Je dis pas que tu as mal fait. Je dis que tu aurais pu relever les mailles. J'aimais coudre, mais tu peux relever les mailles, tout à fait. Vous serez les bienvenus sur le Discord, dit Valérie. Oui, tout le monde est le bienvenu sur le Discord. Et en plus, l'ambiance est géniale. Ah, mais en plus, comme ça, je pourrais passer... j'essaierai de passer pour le prochain tricoté. Comme la dernière fois, ça m'avait bien plu. Cette semaine, j'ai été pas mal occupée, mais pour le prochain tricoté virtuel, je serai là. Je pense. Alors, voilà. Donc ça, c'est la deuxième technique dont je voulais vous parler. C'est la lisière verticale. Donc, la lisière verticale, c'est
Ça s'utilise si la lisière est plutôt épaisse, donc avec un fil qui est assez épais. Et cette méthode s'utilise souvent sur les devants d'un gilet. Donc par exemple pour une fameuse bande de boutonnage. Donc avec l'endroit de l'ouvrage toujours face à vous, vous travaillez de droite à gauche le long de la bordure. Donc de l'avant vers l'arrière, vous glissez la maille entre les deux fils de rang des deux premières mailles, de façon à soulever un peu la lisière. Vous enroulez le fil autour de l'aiguille, vous ramenez ce fil, comme on le fait pour le tricoter à l'endroit, et après, vous ramenez le fil, donc ça vous crée une nouvelle maille, et vous procédez comme ça, de la même façon pour chaque maille lisière. Donc, comme je vous dis, vous piquez dans la maille lisière, vous relevez doucement, vous allez chercher le brin, et vous ramenez votre fil, et ça vous crée une boucle. Donc, sur une surface donnée en jersey, on compte davantage de rangs verticaux que de mailles horizontales. Donc du coup, lorsque l'on relève les mailles le long d'une bordure verticale, on crée un nombre de mailles égal au nombre de rangs. Attention. Pour compenser la différence, on voit de temps en temps, on essaie de faire sauter de temps en temps un espace entre les deux fils de rangs. Alors, les personnes sur le Discord sont vraiment bienveillantes, merci, dit Mélissa. Mais vraiment, c'est ce que j'ai voulu avoir, c'est ce que je veux voir sur les triconautes. Donc vraiment, toutes les triconautes du Discord sont bienveillantes. Et comme je le dis, la communauté des triconautes, c'est trois grandes valeurs. Bienveillance, entraide et apprentissage continu. Et ça, c'est vraiment le cœur de la communauté. Faut que je m'y mette, dit Cécile. Super, c'est vraiment top les tricoter avec vous. Si c'est assemblé, tu as parfois des endroits où les mailles ne sont pas déterminées aux emmanchures, par exemple. Ah, pour les emmanchures, si c'est assemblé, tu as parfois des endroits où les mailles ne sont pas déterminées aux emmanchures, par exemple. Ah, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Mais là, dans ce cas-là, ce que tu fais, c'est que tu piques juste avant l'endroit où c'est pas bien déterminé, puis après, tu sautes et tu piques juste à l'endroit après. L'endroit où t'as une petite, où l'endroit c'est un peu flou, tu sais, c'est pas un petit espace, mais presque. Donc Monique, tu piques juste avant le petit trou et tu piques juste après. Et là, comme ça t'équilibre ton petit creux, entre guillemets. Marie-Agnès, pourquoi ne pas relever toutes les mailles? Parce que parfois, si en relevant toutes les mailles, déjà ça sera trop serré. Et en plus, tu risques de te retrouver avec trop de mailles. Donc c'est pour ça, parfois, il vaut mieux rééquilibrer le nombre de mailles. C'est pour ça que je dis relever une maille pour 3 mailles tricotées ou 4 mailles tricotées. Ça te permet d'équilibrer et surtout, en fait, si tu relèves toutes les mailles, tu vas être beaucoup trop serré. Donc ça va être, c'est-à-dire tu vas essayer de relever et à un moment, tu vas plus pouvoir parce que ça va être tellement serré que tu vas plus pouvoir le faire. Donc tout simplement pour cette raison. Marielle, sur les lisières, c'est vraiment ma hantise. le relevé des mailles de diminution des arrondis du col crée un joli col si c'est symétrique. Oui, c'est vrai. Ça fait gondoler le tricot de tout relever des fois. Oui, voilà, après tu te retrouves avec un col comme ça. Tu te retrouves avec les cols pour les animaux là. Comment ça s'appelle? J'ai pas le nom. Mais les flûtes. Vous savez les cônes en plastique là, pour les bichettes pour pas qu'ils se lèchent ou qu'ils se mordent les pattes quand ils ont eu des opérations. Bon, je vais vous parler de la troisième technique. Donc là, c'est pour autour d'une encolure, justement. Donc là, petite pensée à Monique, c'est pour toi, ça. Donc, pour autour d'une encolure, la plupart des bordures incurvées sont constituées de plusieurs séries de diminutions qui forment un arrondi parfois irrégulier, parfois un escalier. C'est pas gênant, on peut le rattraper. Surtout quand tu relèves les mailles. Il ne faut pas piquer dans les mailles de la bordure elle-même, sinon tu vas avoir des petits trous. Donc ça, il ne faut pas faire. Donc il faut que tu utilises la même technique que pour la première technique que je t'ai montrée. Tu piques dedans, que la première photo que j'ai montrée, tu piques dedans, je vais la remontrer. Tu refais cette technique-là. Elle est dessous, c'est pour ça qu'on ne la voit pas. Tu refais cette technique-là, mais cette fois, du coup, au bord de ton encolure. Donc, tu piques dans tes deux brins de bordure, tu relèves,
Et là, comme ça, tu auras une encolure bien propre, bien nickel, avec de belles mailles bien relevées. Sur la partie qui forme le décolleté, pense bien à piquer l'aiguille dans les mailles un rang au-dessous des diminutions pour éviter de créer des trous. C'est pour les fameux moments où tu as des petits espaces, tu sais, au niveau du décolleté. Là, si tu as des petits espaces comme ça, va plutôt chercher le rang du dessous. C'est pas gênant, ça va se rééquilibrer au contraire. Une collerette. Voilà, c'est ça, la collerette. En fait, c'est quand tu relèves trop de mailles, ça te fait une collerette après. Donc, c'est ça. Je retiens, je prendrai des notes en replay. Super. Un entonnoir, MDR. C'est pas bien, Michette. Un peu cher quand ils sont malades. Bon. Voilà. Bon, je pense que j'ai répondu à pas mal de vos questions sur relever les mailles. J'ai vu qu'il y en a qui disaient qu'elles relevaient les mailles avec un crochet. J'aimerais bien savoir dans le chat ou là en commentaire si vous avez d'autres techniques pour relever les mailles. Ça m'intéresse. Et puis même, ça pourrait intéresser d'autres triconautes. Alors, j'ai une question qui m'a fait mal au cœur. J'ai eu une question qui m'a fait très mal au cœur parce que quand je l'ai vue, je me suis dit que je pouvais pas laisser cette triconaute sans réponse. Et du coup, je vais lui répondre aujourd'hui. Sur Instagram, il y a une triconaute qui m'a dit « Mon pull a feutré, que faire ?» J'ai une très mauvaise nouvelle. Quand ton pull a feutré, normalement, tu peux pas le réparer. Voilà, je pouvais pas te laisser sans rien, je pouvais pas te dire « Non mais c'est bon, je vais pas répondre à ce commentaire. » Je pense que c'est important de te le dire. Quand un pull a feutré, c'est poubelle, normalement. Donc, il existe sur Internet des tas de techniques de grand-mère. De l'après-shampoing, utiliser de l'après-shampoing, de l'eau de cuisson de haricots, de la glycérine, de l'eau vinaigrée. Non. En vrai, je trouve qu'il y a rien qui... Enfin, en vrai, il y a rien qui fonctionne. Donc, malheureusement... quand un pull a feutré, bah c'est irréparable. Donc du coup, voilà, je voulais pas te laisser sans réponse. Tu te reconnaîtras, mais je suis navrée de te dire ça. Mais personnellement, pour moi, un pull qui a feutré, c'est fichu. C'est une laine qui ne peut pas être réutilisée en plus. Donc, par contre, ça me permet de dire raison de plus pour laquelle je lave à la main et à l'eau froide. Et pourquoi je fais tout le temps ça. Donc, c'est la cata. Quand tu as feutré un pull, c'est malheureusement inévitable. Poubelle Diane, oui, malheureusement poubelle. La pauvre, c'est la cata. Je comprends mieux mes erreurs de mon premier pull en attente de correction. Bah tant mieux, vraiment, je suis contente que ça te permette du coup de comprendre les erreurs que t'as pu faire, Cécile. Guylaine, comment tu enlèves les bouloches sur tes tricots? Au rasoir. Et je dirais même une chose, au rasoir, alors moi j'ai pas de... Enfin j'avais un cleaner mais je l'ai cassé. Et il n'a pas supporté un déménagement en fait. Et lorsque j'ai cassé mon cleaner, j'ai utilisé en fait le rasoir. Alors c'est le rasoir de Matou. Donc je l'utilisais, vous savez, c'est les rasoirs de sûreté. Donc c'est des vrais rasoirs. C'est les rasoirs qui sont lourds à porter, c'est pas des rasoirs jetables. C'est des rasoirs où on change les lames, etc. Donc moi j'utilise ça et ça fonctionne du feu de Dieu. Donc pour enlever les bouloches, rasoir de sûreté. Et bien sûr, je change la lame pour Matou après. Hein. Je lui laisse pas les bouloches de pull. La rage. Peux-tu nous donner la définition d'un ouvrage feutré? J'ignore ce que ça veut dire, des filles du vent. Un ouvrage feutré, c'est quand par exemple tu as mis ton pull dans la machine à laver à 90, ou même plus bas, hein. Parfois ça arrive à des températures plus basses. Et en fait, le pull... La laine, en fait, elle est faite avec des petites accroches, en fait. Et le fait de feutrer ta laine, ça va accrocher les fibres comme ça. Et là, elles vont plus pouvoir se défaire. Non, alors que normalement, les fibres, elles se frottent. Elles sont pas vraiment accrochées, quoi. Mais là, c'est comme si ça devenait souder. Voilà, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait le mot. C'est les fibres qui se soudent en fait entre elles. Et là, c'est mortibus. Donc, malheureusement,
C'est un pull feutré, tu pourras le voir. Non, j'ai rien de feutré ici. J'ai rien de feutré ici, mais en tout cas, c'est vraiment flou, en fait. Il n'y a plus de définition de point, il n'y a plus rien. Il y a vraiment, c'est... J'espère que je réponds à ta question, fille du vent, et je vois que Magdalena a posé la même question. Non, pas de technique de grand-mère, dommage, gâché. Ouais, voilà, moi, je veux dire, quand on tape sur Internet « Comment rattraper un pull feutré ?», c'est pas vrai, ça n'existe pas. Ça, vous allez perdre des produits, etc. Donc, jeter la laine, c'est irrécupérable. Hélas, j'ai eu le cas suite à une erreur de programmation de la machine, je venais de le finir. Oh, l'enfer, oh là là. Glinner, dit fille du vent. Oui, alors c'est pas G-L-I-N-E-R, c'est G-L-2-E-N-E-R. Voilà. Vous pouvez en trouver, je crois, chez Lily comme tout. Vous le tapez rasoir Glinner, elle en a. Rasoir 5 lames, ça le fait super. Oui, voilà, si vous n'avez pas de rasoir de sûreté, le rasoir jetable, ça fonctionne bien. Ah ben, il devait être content, Matou. Mais maintenant, il sait que, du coup, il sait qu'on peut l'utiliser comme ça. Et il l'utilise même lui-même. Quand tu dis que tu laves à la main et à l'eau froide, c'est à chaque fois ou juste le premier lavage? Ben, déjà, premier lavage à l'eau froide. Toujours, pour moi, toujours à l'eau froide. Ensuite, de manière générale, je lave aussi les pulls à l'eau froide et je m'organise. Donc c'est-à-dire, par exemple, quand j'ai plusieurs pulls à laver, je le fais souvent tout en même temps. Et comme ça, en fait, je lave tous mes pulls à l'eau froide. Je sais que j'en ai pour, je sais pas quoi, 10 minutes. J'en ai pour 10 minutes, je les lave dans l'eau froide une bonne fois. Et après, je les laisse sécher à plat, je les oublie, ils sèchent tout seuls comme des grands. Donc moi, je préfère laver à l'eau froide pour le coup. J'ai des pulls qui ont des laines qui passent pas souvent à la machine. Donc parce que j'essaie vraiment de prendre des laines naturelles, etc. Donc vraiment, le mieux pour moi, c'est lavage à la main. Et ça me fait rien de laver à la main. Donc du coup, lavage à la main, je laisse après sécher à plat toute la nuit. Et le lendemain, je le retrouve sec, nickel. Donc c'est bon. Moi, pour moi, c'est lavage à la main. Plus jamais lavage en machine. J'ai pas assez confiance dans les cycles de laine. Et je crains trop de voir un pull s'abîmer. Alors si c'est un pull en superwash, etc., je le mets à la machine, il n'y a pas de problème. Les chaussettes, je les mets à la machine ou je les lave à la main. Mais si une chaussette passe à la machine, il n'y a aucun souci. C'est, je veux dire, ça, avec le nylon qu'il y a dedans, ça n'a jamais feutré. Mais vraiment, pour moi, je préfère laver les pulls à la main. Coucou, Disney. J'ai un Philips électrique, ça marche bien, mais attention, il ne faut pas l'utiliser sur la dentelle. Non, non, vraiment, faites attention, n'utilisez pas certains rasoirs sur la dentelle, c'est très important. Ça lui fait une petite balle de laine pour jouer les bouloches. Alors, Claudine qui nous dit « Coucou, désolé, je prends en cours, mais ne t'inquiète pas Claudine, si tu veux regarder après la suite de ce que t'as raté, tu pourras regarder le replay. » Un léger feutrage peut aider au jacquard sur des laines rustiques, c'est pour ça qu'il ne faut pas utiliser de laine superwash en jacquard. D'ailleurs, le feutrage léger aide au motif. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai pour le jacquard, pour les laines rustiques. Si vous tricotez, par exemple, les yokes islandais, par exemple, il y a un léger feutrage qui est fait au niveau des pulls. Quand j'étais là-bas, ils avaient l'habitude de... C'est un léger feutrage, hein, c'est pas quelque chose de très accentué. Mais ça leur permet en fait de mieux fondre les motifs, dans la laine se fond mieux. Et en fait là pour le coup c'est quelque chose qui est beaucoup plus apprécié. Et appréciable. Pour une encolure en V d'un pull, y a-t-il une astuce pour que la maille du milieu de l'encolure soit toujours magnifique, bien au milieu et bien droite? Ah! Pour que la maille du milieu de l'encolure soit bien au milieu, bien droite, il faut que ça soit sur un nombre de mailles impair. Parce qu'en fait, si tu le fais sur un nombre de mailles pair, ta maille, elle va être légèrement sur le côté, légèrement biaisée, etc. Donc il faut que ça soit vraiment sur un nombre de mailles impair. Moi, j'ai trouvé que c'était le meilleur rendu. C'est quand tu as un nombre de mailles impair, tu rabats la maille du milieu entre les deux, enfin, entre vraiment au milieu de ton pull. Et là, cette maille-là, tu n'y touches pas en fait, ça sera la première maille de démarrage. Et en fait, cette maille-là, je trouve que lorsqu'elle est en impair, sur un nombre de mailles impair, c'est vraiment là qu'elle sera le plus horizontale possible. Et sinon, tu vas avoir des mailles comme ça.
Tellement triste, merci pour ton explication. Oui, tu as bien expliqué, j'ai compris, merci Jaenel. On peut récupérer un pull feutré pour faire des chaussons? Why not? Pourquoi pas? Pourquoi pas, mais normalement c'est pas trop fait pour. À mon avis, tu pourrais le récupérer pour en faire des chaussons si tu utilisais une surjeteuse après pour être certaine que lorsque tu vas couper dans ton feutre, tu vas pas... ça va pas partir en fait, ça va pas se défiler complètement. J'ai tout essayé après shampoing, glycérine, rien ne fonctionne. Depuis, je lave mes pulls à la main, température ambiante, et c'est super, même les super wash. À bientôt, je dois vous quitter, je reprendrai en replay. J'espère que tu répondras à ma question posée hier, pouvoir tricoter un pull avec patron prévu à la base en rond, avec des aiguilles droites. Alors oui, je l'ai prévu, elle est prévue à la fin. Donc si tu t'en vas, Elisabeth, à bientôt. Bien, bien, bien. Alors, on continue ? Allez, on continue. Alors, c'était Alex, qui me posait cette question. Alexis, c'est ça. Comment savoir quelle technique utiliser entre le à plat, les aiguilles circulaires. Quelle technique est la mieux? En vrai, c'est à toi de choisir. Chaque technique a ses avantages, ses inconvénients. Le top-down, les aiguilles circulaires, tu peux essayer ton pull au fur et à mesure. Tu as peu de finition et pas de couture. Mais par contre, je trouve que les pulls en top-down manquent un petit peu de structure. Je préfère les structures données par des coutures, je trouve ça plus carré. Je préfère la structure des coutures, mais c'est à l'avis de chacun. Pour le plat, tu tricotes en morceaux, donc tu pourras tester le pull qu'à la fin. Les coutures sont à faire. Mais par contre, le pull sera plus structuré et je trouve que les pulls tricotés à plat sont plus durables aussi, en raison des coutures. C'est qu'un avis, perso. Moi, c'est ce que j'ai remarqué en tout cas sur les pulls que je tricotais à plat. Je trouvais qu'ils duraient plus longtemps, qu'ils étaient plus durables, du fait qu'ils avaient des coutures. Voilà. Je sais, je me pose un petit peu en travers de ça parce que j'aime beaucoup tricoter à plat. Mais pour moi... Il vaut mieux commencer à tricoter un pull en morceaux pour bien comprendre la structure du pull, comment ça fonctionne, etc. Puis après enchaîner sur des circulaires. Mais de toute façon, souvent on commence à tricoter à plat et après on enchaîne sur du circulaire. Donc du coup pour moi, si tu débutes, commence par un pull en morceaux, puis après tu enchaînes sur un pull circulaire. Ça t'aura permis d'avoir bien la compréhension de la structure du pull pour moi. Bon. Voilà, donc ça c'était la question d'Alexis. Et enfin la question d'Elisabeth. Cécile qui me dit « Perso, les coutures me stressent moins que le Magic Loop. » Voilà, ça dépend. C'est le Magic Loop, il n'y a rien d'effrayant en fait. C'est tant que tu n'as pas bien le mécanisme du Magic Loop, ça peut être un petit peu perturbant au début. C'est pour ça que je dis ça peut être déroutant le Magic Loop pour les triconautes qui débutent. Mais vraiment, ne vous inquiétez pas, au bout d'un moment, ça vient vraiment tout seul et ça fait un déclic. C'est juste une nouvelle façon de tricoter. Donc du coup, le temps que tu t'habitues à cette nouvelle technique, tu verras, ça va venir tout seul, Cécile. Cécile qui fait des super chaussettes en ce moment. Bon. Bien, bien, bien. Peut-on adapter un patron à plat en circulaire? Alors, oui. Et j'ai déjà fait un article là-dessus. Je vais pas tout répéter parce que c'est une question à laquelle j'avais déjà répondu, je crois, dans la radio sur les pulls. Mais oui, on peut adapter un patron à plat en circulaire. J'en ai pas fait qu'un article, j'en ai fait un instant technique aussi. Donc, petite astuce, je vais faire quelques points de rappel. Évite les modèles trop complexes qui ne peuvent pas être convertis en circulaire. Donc je pense à tout ce qui est dentelle. Je pense à tout ce qui est jacquard, bien compliqué, type ferraille, là en morceaux. Normalement, le ferraille, il n'est pas en morceaux, mais si jamais, vraiment, évite les patrons trop complexes. Quand il y a trop de torsades, par exemple, ça peut être très vite compliqué. Supprime aussi toutes les mailles lisières lors du calcul du nombre de mailles. Donc ça, c'est important. Pourquoi? Parce que les mailles lisières, t'en as pas vu que tu fais pas de couture. N'oublie pas que tous les rangs en vert sont... travailler à l'opposé de ce qu'indique l'origine, donc c'est-à-dire ils sont travaillés à l'endroit. Donc par exemple, si tu as sur ton envers, tu as deux mailles envers,
Donc fais bien attention à bien faire le switch entre le fait que tu tricotes en rond. Donc du coup, quand tu tricotes en rond, tout ce que tu tricotes à l'endroit, si tu tricotes tout à l'endroit, c'est que du jersey. Si tu tricotes un rang en droit, un rang en vert, là, tu as du point mousse. Et de même, autre dernier conseil, n'ayez pas peur d'utiliser masse de marqueur. C'est très important. Donc ça vous permet de délimiter par exemple l'avant, de l'arrière, des manches, etc. Donc vraiment, les marqueurs sont vos amis à ce niveau-là. Alors, nous on n'aime pas les circulaires. Claudine, je vois son message. Ok, j'ai commandé la formation aiguille circulaire, est-ce que je peux annuler? Ouais, contacte-nous par mail, Claudine, on va s'arranger. Bravo Cécile, il faut continuer. Je dois y aller, je regarderai en replay. Bisous. Ça sert à tout les marqueurs. Oui, on est d'accord, ça sert à tout. Même quand tu fais des coutures, ça sert. Bon, alors, on continue. On continue et vous avez donc du coup, j'ai beaucoup de questions. Donc là, j'ai vraiment réuni toutes les questions que j'avais pour essayer de répondre à un maximum de personnes. Et j'ai cru comprendre que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir du mal à tricoter votre premier pull, que celui-ci soit à plat ou en rond. Tous les jours, je reçois des messages privés, des mails de triconautes qui n'arrivent pas à réaliser leur premier pull ou qui se sont retrouvés avec un pull trop large, trop petit, sans parler de celles et ceux qui veulent créer leur propre modèle. Et pourtant, vous savez que vous êtes de plus en plus nombreuses à demander ça et qui ne savent pas par où commencer. Le pire dans tout ça, c'est que certaines en sont dégoûtées et qu'elles arrêtent le tricot à cause de ça. J'ai eu des messages vraiment tristes de triconautes qui étaient dégoûtées de la réalisation d'un pull qui ne se passait pas comme prévu. Et vraiment, moi je trouvais ça extrêmement triste. Est-ce que vous avez déjà ressenti ça aussi? Dites-moi dans le chat et dans les commentaires si vous nous regardez en replay. Dites-moi dans le chat, est-ce que vous avez déjà ressenti ça? Est-ce que vous avez déjà ressenti du mal à réaliser votre premier pull? Est-ce que vous avez eu du mal à créer vos propres modèles? Donc, je tiens à le dire aux triconautes qui nous écoutent. Si vous n'arrivez pas à tricoter votre pull, votre premier pull, ton premier pull, ce n'est pas de ta faute. Il y a de nombreuses techniques à comprendre et la quantité d'infos n'est pas toujours facile à gérer. Donc vraiment, ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal que ça soit difficile un petit peu au début. Moi-même, j'ai eu du mal, pour vous raconter un petit peu. J'ai voulu tricoter mon premier pull un mois après avoir appris le tricot, donc après avoir débuté le tricot, un mois après. Et j'ai mis un an à terminer le pull en question. Donc, tellement j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour le réussir et réaliser quelque chose dont j'étais fière à la fin. Donc, vous imaginez, un mois, un an. J'ai mis un an à réaliser ce pull. Aujourd'hui, j'ai tricoté plus de 45 tricots pour adultes qui ont tous été parfaitement adaptés aux destinataires qui les ont reçus et qui aujourd'hui les portent encore. Si tu ressens de l'appréhension, une sorte d'angoisse, de peur de te lancer, je veux vraiment apaiser tes craintes. C'est vraiment très important. Tu peux le faire. You can do it. Tu as juste besoin de la bonne personne pour t'expliquer. Et ça tombe bien, je suis là pour toi. Et cette radio, c'est un premier pas pour commencer à comprendre les choses. Les marques, c'était une triconaute qui me disait « Je comprends pas, j'ai acheté un pull d'une certaine marque que je ne vais pas citer. » Et je les ai contactés et ils ne m'ont jamais répondu, ou les personnes qui sont censées m'aider ne s'y connaissent pas, elles ne veulent pas m'aider, je comprends pas. Les marques de laine et les patrons que tu achètes en ligne ne vont pas t'aider à réussir tes patrons. Si tu pensais qu'ils sont juste là pour te vendre la laine, c'est malheureusement le cas pour beaucoup d'entre eux. Il y a juste les patrons qui sont vendus et c'est tout. Ce n'est pas pour rien que je vous en avais parlé la dernière fois sur une radio, ce n'est pas pour rien que je reçois pléthore de messages tous les jours de triconautes qui me demandent de l'aide sur des patrons qui ne sont pas les miens. C'est tout à fait normal. Donc, de même, un patron que tu achètes en ligne ne t'apprendra pas les techniques à te connaître, les petites astuces qu'il faut savoir, etc.
Donc ici, la différence, c'est que j'ai envie que tu réussisses un pull et que tu te sentes incroyable dedans, que tu te sentes belle, que tu te sentes beau dedans. Est-ce que ça vaut le coup de tricoter et de tricoter surtout un pull dans lequel tu te sentiras extraordinaire? Est-ce que ça vaut pas le coup? Dites-le moi dans le chat si ça vaut le coup ou pas. Et dans les commentaires si vous nous regardez en replay. Dites-le moi si ça vaut le coup. Pendant que vous me le dites dans le chat, je t'invite à imaginer. Imagine que tu arrives à tricoter le pull de tes rêves. Qu'il te suffise de prendre les aiguilles et de te lancer pour réussir à faire le pull parfait, sans suer, sans haut. À toi les pulls à plat ou les pulls circulaires, dans tous les styles que tu souhaites. À toi les pulls parfaits et les pulls bien taillés, à chaque fois. Est-ce que tu es en train d'imaginer ça? En réalité, c'est un peu plus compliqué que dans ton imagination, mais j'ai quelque chose qui va complètement changer ta pratique. Quelque chose que tu vas pouvoir garder tout au long justement de ta pratique du tricot. Si tu souhaites apprendre à tricoter un pull à plat ou en circulaire top-down, si tu veux apprendre à adapter les pulls que tu tricoteras pour l'adapter à ta morphologie, pour créer tes propres patrons, pour ajouter des points, pour ajouter une capuche, ce que tu veux, vraiment. Si tu souhaites faire tout ça, alors j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je vais lancer justement la solution qui est pour toi. On se retrouve tout de suite, je te dis à tout à l'heure. Ce qui cause le plus de difficultés aux triconautes, c'est de tricoter leur premier pull. Il ne faut pas se voiler la face. Le premier pull, c'est un peu le saut dans le grand bain du tricot et des pelotes de laine. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as peur de te lancer dans ce premier pull. Peut-être que lire un patron, savoir comment adapter la taille, tu ne sais pas faire et tu ne crains de te retrouver avec une toile de tente plutôt qu'un pull. Le pire, ça serait, je pense, de passer des heures à tricoter un pull et te rendre compte à la fin qu'il est trop petit ou trop large pour toi. Il ne te resterait plus alors qu'à tout détricoter et recommencer l'enfer. Peut-être que tu as essayé de te lancer, mais que tu as dû détricoter un nombre incalculable de fois parce que tu as dû te débrouiller et faire face à toutes les difficultés sans personne pour t'aider. Le vrai problème, ce n'est pas que tu n'arrives pas à tricoter un pull avec des aiguilles droites, c'est que les patrons ne te guident pas vraiment dans ton apprentissage. Tu as besoin de quelque chose de plus. Si tu veux apprendre à tricoter un pull avec des aiguilles droites, si tu veux savoir comment l'adapter à ta morphologie et créer à la fin ton propre patron de pull, alors tu dois suivre la formation Mon pull à la carte édition aiguille droite. C'est tout simple, dans cette formation tu auras un guide de plus de 100 pages extrêmement complet pour tout comprendre, des heures de tuto vidéo avec toutes les techniques nécessaires à connaître, deux vidéos de réalisation de pulls complets avec les deux types de fils différents les plus utilisés pour des pulls et des fiches techniques pour te faciliter la vie, des tableaux, des checklists, etc. Mais je t'offre aussi une mini formation sur le lavage et le blocage ainsi qu'une mini formation sur les coutures. Et en plus de tout ça, tu as un espace en ligne avec accès immédiat et à vie à la formation ainsi qu'un accès VIP sur un groupe privé pour pouvoir poser tes questions. Si tu veux apprendre à tricoter un pull avec des aiguilles droites, c'est facile, rejoins la formation et commence tout de suite ton premier pull. Nous voilà de retour du coup après cette annonce. Vous le saviez pour les triconautes qui étaient déjà inscrits au mail privé, mais oui, c'est la sortie de la formation Mon pull à la carte et en deux éditions s'il vous plaît. La première en rouge, c'est l'édition Mon pull à la carte édition aiguille droite et la deuxième, c'est l'édition en bleu. Édition Mon pull à la carte en format circulaire. Donc, c'est tout à fait possible. Il y a eu des tas de questions qui ont été posées lorsque je vous avais demandé qu'est-ce que vous voudriez si vous voudriez la formation Mon pull à la carte. Et là, cette formation existe du coup en deux éditions, aiguille droite et aiguille circulaire. Et elles sont destinées aux triconautes de tout niveau. Tout niveau, j'ai bien dit tout niveau. Si tu veux rejoindre les formations, tu peux cliquer sur le lien que Matou te mettra dans le chat ou qui sera en bas dans la description de cette vidéo.
si vous le voulez, on va parler un peu plus amplement de ce qu'il y a dans ces formations. Alors justement, je voyais là pendant l'instant réclame, grave, oui, ça c'est du teaser, trop fière d'avoir fait un pull. Pour être fière de moi, ça me prend un petit défi. Oui, ça vaut le coup, pull rouge merveilleux, j'ai commandé les deux. J'ai pris les deux formations directes, je n'avais pas pu prendre celle pour les chaussettes, alors celle-ci j'ai sauté dessus. Super, bravo, yes. Ne faites pas sauter les serveurs. Oui, alors, je vais vous dire un petit peu plus ce qu'il y a dans ces formations. Donc, là, je vais vous parler de la formation aiguille droite. Pour la formation aiguille droite, dedans, vous avez plus de 130 pages de guide. Donc, vous avez dedans, je crois, plus d'une dizaine de chapitres. Donc, les bases à connaître, la boîte à outils, les bons conseils pour démarrer, les différents types d'emmanchures, leurs avantages, leurs inconvénients, comment bien prendre ses mesures, donc plus développées que ce dont je vous ai parlé là tout à l'heure, comment choisir la bonne taille, comment échantillonner, comment ajouter de l'aisance au pull, et qu'est-ce que c'est l'aisance aussi, et comment créer son propre patron de pull de l'idée en passant par la mise en place. Puis enfin, le fameux chapitre, le pull à la carte, où je te détaille les différentes emmanchures avec 5 types d'échantillons différents dans 5 tailles différentes pour que tu puisses l'adapter facilement, avec les points qui vont bien, avec les extras qui vont bien, donc boutonnière, les plis tricotés, parce que oui, vous pouvez faire des plis à vos tricots, vous pouvez faire des petits plis très décoratifs comme ça. Vous pouvez tout à fait les intégrer dans votre tricot et je t'explique comment le faire. L'école et bien sûr le fameux élément qui est super important, donc la mini formation sur la couture, la mini formation sur les finitions, la mini formation sur le lavage, le blocage, parce que j'ai compris qu'il y en avait beaucoup d'entre vous qui avaient besoin de ça, et j'ai intégré un chapitre spécial. J'ai intégré le chapitre SOS pull en détresse, où là-dedans, je te donne toutes mes astuces et les conseils que j'ai testés, que j'ai crash-testés pour toi, pour trouver les solutions si jamais le pull est trop grand, si jamais le pull est trop étroit, s'il a des peluches, sans avoir à jeter ton pull à la poubelle, hein, bien sûr, ou sans avoir à tout détricoter. Donc, ce sont deux formations qui sont super complètes. Bien sûr, il y a dedans 22 vidéos, il y a deux vidéos de patrons complets que je vais vous montrer. Je vous présente Briseis, le pull rouge, avec ses belles fleurs au centre, ses belles feuilles au centre. Je vous présente Écube, le pull droit. Donc lui, c'est un pull raglan, vous le voyez. On le voit ici aux emmanchures que c'est un pull raglan. Ici, elles sont en diagonale. Donc Briseis et vous avez Écube, le pull rouge droit, simple. Il a un petit motif au poignet, je ne sais pas si on le voit, avec une petite torsade toute simple ici. Enfin, c'est pas une torsade, c'est des mailles croisées, mais vous allez voir, c'est très facile à faire. Donc, je répète, Briseis que je vous montre en entier, donc réalisé en entier, et Écube réalisé en entier également, avec bien sûr également les trois mini formations dont je vous ai parlé. Donc ça, c'est pour aiguille droite. Je vais vous parler de aiguille circulaire. Pour aiguille circulaire, donc vous avez là 160 pages de guide. Vous avez, comme au début, les bases à connaître, la boîte à outils, les styles de pull différents, donc je vous donne les caractéristiques, comment ils sont tricotés. Dans les styles de pull, il y a le yoke, il y a la manche montée, il y a le raglan et il y a la manche marteau. Vous avez 4 styles de pull. Il y a aussi comment bien prendre ses mesures, parce que prendre ses mesures pour un pull circulaire, il y a un peu plus de mesures à prendre. Donc je vous dis comment les prendre. Vous avez des fiches techniques, donc je ne l'ai pas dit, mais dans les fiches techniques, vous avez des checklists, vous avez des mémos pour les différentes emmanchures ou les styles de pull,
Vous avez aussi une feuille de calcul pour calculer la quantité de laine précise qu'il vous faut. Vous avez aussi des tableaux d'estimation de laine. Vous avez, mais je l'ai dit, les mémos, etc. Et du coup, vous avez dans aussi le chapitre « Le pull à la carte » où tu pourras apprendre donc, dans cette formation à intégrer des motifs de points à différents endroits de ton pull. Donc quand je dis différents endroits, c'est par exemple au niveau des raglans, au niveau du devant, au niveau des manches, juste sur un morceau des manches, etc. etc. Et en plus, vous avez l'explication, la réalisation complète du pull ici. Alors, lui c'est le pull, mince, lui c'est Pénélope, celui que je le porte, c'est un pull yoke. Vous le voyez ici aux 4 rangs d'augmentation. Donc lui c'est Pénélope et lui c'est, j'ai un trou, mince, je me souviens plus le nom. Mais c'est un pull raglan, tricoté en rond hein, bien sûr. Hein. Donc lui c'est un magnifique bleu roi, un beau raglan là. Et voilà, donc ça vous fait deux pulls pareils qui sont réalisés en entier, en temps réel. Et bien sûr, vous avez aussi les explications complètes des 4 styles de pulls dans 5 tailles différentes et dans 5 échantillons différents. Donc, comme je l'ai dit, les styles de pulls, vous avez le pull yoke, le pull raglan, le pull à manches montées et les manches marteau. Donc ça vous fait vraiment une grosse, grosse, grande quantité. Avec Matou, ça fait 2 mois que l'on travaille sur, sur ce petit bébé. Et normalement, avec ces formations, ça vous permettra de réaliser des pulls parfaits, sans suer, sans oeo. Ça vous permettra de savoir comment adapter à votre morphologie. Et ça vous permettra d'apprendre à personnaliser les pulls pour pouvoir créer tes propres modèles. Donc ça... C'est vraiment un travail que j'ai fait lorsque j'ai rédigé la formation. J'avais vraiment envie que vous puissiez faire ces 3 choses-là. Est-ce vraiment utile de prendre les 2 ? Si oui, pourquoi ? Oui, c'est utile de prendre les 2 parce que c'est vraiment du contenu qui est différent. Vraiment, le contenu qu'il y a dans formation pull à la carte et dans formation pull circulaire, c'est pas du tout la même chose. Je crois qu'il y a même pas 7 pages en commun. Donc c'est pour les pages de début, donc notamment les bases à connaître. Mais vraiment, c'est des éléments qui sont complètement différents. Si tu veux tricoter un pull en circulaire, j'aborde pas du tout, par exemple, dans la formation aiguille droite, j'aborde pas du tout le yoke, parce que ça se tricote pas à plat. Et en fait, c'est complètement différent, en fait. Ces 2 formations sont complètement différentes. Pull à manche à aiguille droite, c'est pour tricoter à plat. Et pull à aiguille circulaire, c'est pour tricoter en rond. Et en fait... Vraiment, dans aiguille circulaire, tu as des tableaux avec le nombre de mailles à monter, les diminutions à faire, etc. pour les 4 types de pulls que j'ai cités. Donc vraiment, c'est pour moi, les 2 se complètent très bien et elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Magnifique ce pull. Le pull rouge, j'aime bien, vaut mieux le faire dans une couleur flashy pour la torsade. Je suis tout à fait d'accord. Bravo, c'est génial. Waouh, c'est vraiment très très complet. Je vois que tu n'as rien oublié, merci. Euriclé, c'est ça, merci, c'est Euriclé. C'est Euriclé ce pull-là. Le pull bleu roi, là. Euriclé. Ok, cela répond à ma question, il est donc nécessaire pour moi, en tout cas, d'acquérir les 2 formations. Vraiment très beau travail, JNL et Matou, merci. Tous les pulls sont très beaux. On peut l'appeler trou. On peut l'appeler trou. Vraiment génial ces 2 formations. J'ai pas compris Valérie, mais si tu m'expliques, il y aura pas de problème. Leslie, vraiment génial ces 2 formations. Merci infiniment à vous deux. On ne se connaît pas, mais du fond du cœur, je suis fière de vous. Oh merci, vraiment, ça me touche vraiment, fille du vent. Vraiment, merci beaucoup. Je peux encore prendre la formation aiguille droite. Bravo, dit l'imamie tricoteuse. Bien, donc justement, je voulais vous en parler. Ces 2 formations, vous l'avez compris, elles sont extrêmement complètes. On a passé 2 mois avec Matou à travailler sur ça. Je ne vais pas vous cacher, les dernières nuits, elles ont été plutôt courtes. Normalement, ces 2 formations, avec tout leur contenu et leurs différents éléments offerts dedans, devraient coûter 199€. Mais, pour fêter le lancement, la formation est offerte à 59€, ce qui fait 70% de réduction. Donc vraiment, c'est pour vraiment lancer
cette formation pour vous la proposer à son prix de lancement. Donc 59€, c'est vraiment un cadeau que je vous fais, 70% de réduction. Et cadeau supplémentaire. Cadeau supplémentaire parce que si vous prenez les deux formations, aiguille droite et aiguille circulaire, normalement ça devrait vous coûter 118€. Mais je vous propose une remise supplémentaire de moins 40% sur la deuxième formation. Ce qui fait que les deux formations coûtent 89€ au lieu de coûter 118€. Donc attention, ces offres de lancement, elles sont restreintes dans le temps. Hein. Vous avez jusqu'à dimanche prochain, minuit, pour en profiter. Après, les formations reprendront leur prix d'origine. Alors, je prends le chat si vous avez des questions. Merci à vous, Pénélope est très jolie. On peut le tricoter en coton, ça serait très chouette. Oui, tu peux tout à fait le tricoter en coton, je pense. Vous allez pouvoir vous reposer, dit Sista. Oui, ça va nous faire du bien. Le pull, tout à l'heure, tu avais un trou. Ah, j'ai pas vu, je regarderai ça, Valérie. Merci de me l'avoir précisé. Toujours généreuse, notre Jaenel. Merci à toi. Merci beaucoup, Jocelyne. As-tu pensé à un modèle yoke dans ta formation? Mais oui, tout à fait. C'est le pull Pénélope. C'est le fameux pull Pénélope que je porte et qui, lui, fait partie de la formation et qui fait partie des pulls qui sont réalisés en temps réel. Donc le pull Pénélope, il a ce petit col là, avec des petits jetés ici. Ils sont tout légers, j'ai beaucoup aimé travailler ce pull. Donc là après, jeté. Et là sur le côté, il a un motif, hop, sur le côté, un petit motif de dentelle. Qui pareil, c'était important pour moi de mettre des motifs un peu sympas. Voilà, là on le voit bien. Alors, quel travail impressionnant. Bravo à vous deux pour cet accomplissement. Vous pouvez être fiers de tout ça. Merci Clémentine. Cécile, je me laisse la semaine, je pense. Bah, tranquille. Mais attention, hein, jusqu'à dimanche prochain. Très généreux de votre part à tous les deux. Est-ce que c'est en livre ou en numérique? Alors, Alison, c'est en numérique. Mais, tu as une version papier imprimable de ton guide. Donc comme ça, tu pourras l'imprimer. Il y a déjà des triconautes qu'il avait fait pour la formation Mes chaussettes à la carte, qu'il avait mis en, comment dire, dans des pochettes plastiques. Donc c'est tout à fait, c'est pas un livre que tu reçois, mais tu peux l'imprimer chez toi et l'avoir en format papier. Top, c'est parti pour les deux formations, merci. Pourra-t-on utiliser le fil que l'on veut ? Dit Claudine. Oui, tout à fait. Et si de toute façon, tu as des problèmes, alors ça, je le répète parce qu'il y a des personnes qui me demandent, si tu as des problèmes pour adapter à ta taille, parce que vous avez besoin d'une taille plus petite, parce que vous avez besoin d'une taille plus grande, parce que vous avez envie d'utiliser un autre fil, il n'y a pas de souci. Vous pourrez accéder au groupe privé et là, vous pourrez demander de l'aide si jamais vous avez besoin d'aide pour adapter, etc. Mais normalement, dans la formation Mon Pull à la carte édition aiguille circulaire, comme je disais, je propose avec 5 échantillons de fils différents. Donc par exemple, tu as 16 mailles, tu as 18 mailles, 16 mailles pour 10 cm, 18 mailles pour 10 cm, 20 mailles pour 10 cm, etc., etc. Et en fait, ça te permet d'utiliser une plus grande diversité de fils. Donc justement, j'ai pensé à ça aussi. Bonjour Jaenel et tout le monde, excusez-moi, j'ai très envie de la formation tricot circulaire, mais j'ai peur de me lancer, même que vous m'expliquiez très bien, merci d'être là pour nous. Avec plaisir, Viviane. Sandrine, mauvais timing, à cause du confinement, je ne travaille plus et donc plus de rentrée d'argent, c'est très dommage, j'aurais pris les formations. Mais ne t'inquiète pas Sandrine, il y aura sûrement... ne t'inquiète pas Sandrine, il y aura d'autres fois, ne t'inquiète pas. Valérie. Yayoun, tu comptes refaire des prix spéciales? Je suis dégoûtée, c'était mon anniversaire hier. Si j'avais su, j'aurais demandé ça. Jennifer, peut-on avoir le lien pour les deux formations ensemble, s'il vous plaît? Alors, Jennifer, pour les deux formations ensemble, tu cliques sur l'une des deux formations et en fait, à la fin, à ton panier, je te propose de l'ajouter pour le prix dont je t'ai parlé. Donc, pour les 40%, avec les 40% de réduction supplémentaire. Donc, tu cliques sur le panier et à la fin, tu as un petit encart. Si par exemple tu veux les deux, tu vas sur aiguille droite ou aiguille circulaire, tu commandes la formation et à la fin, au bout du panier, tu as une offre qui est de couleur, dans une bande de couleurs et qui te propose d'ajouter l'autre formation à ton panier, tout simplement. On peut prendre les formations et maintenant et les commencer plus tard? Oui, tout à fait.
Natalia. Et en fait, même, tu peux les commencer quand tu veux, parce qu'en fait, les formations, tu y as accès à vie. Donc vraiment, il n'y a pas de souci avec ça, tu les commences quand tu veux, au rythme que tu veux. Avec quelle laine as-tu tricoté le Pénélope que tu portes? Je l'ai tricoté avec de la laine Magic 100 de chez Bergère de France et les pulls fins, donc Écube et Euryclé, je les ai tricotés avec de l'alpaca de chez Drops. Je voulais utiliser des laines naturelles de base, mais je m'y suis pris trop tard. Et il n'y avait plus les quantités que je voulais. Mais je sais déjà que la prochaine fois, je ne ferai pas comme ça. Voilà. La prochaine fois, je m'y prendrai plus tôt. Ton pull Pénélope est vraiment très beau. Je pense que je vais quand même prendre les deux formations. Je peux avoir une révélation. Au-delà des techniques, c'est aussi pour récompenser votre travail. C'est gentil, Choubouillou. Merci beaucoup. Avec ces formations, tu redonnes de l'espoir. Je vais enfin pouvoir réussir un pull. Yes ! Mais j'en suis certaine, vraiment, Marina. Superbe en effet, mais je désirais faire un pull avec motif islandais et jacquard. Je recherche des modèles en 3XL. Alors en effet, je comprends tout à fait le motif islandais et jacquard, on me l'a demandé. Mais c'était tellement d'informations en plus que je me suis dit, je vais déjà faire ça. Et après, je verrai peut-être pour faire quelque chose d'autre. Donc je retiens Marina, merci beaucoup. C'est pas Marina, c'est Olivier. Merci Olivier, je retiens en tout cas. Pour les triconautes qui ont pris mon pull à la carte, pensez à rejoindre le groupe privé. Oui, très important, pensez à rejoindre le groupe privé. Ton pull Pénélope est vraiment très beau, je pense que... Ah, ça je l'ai lu. Au moment de l'achat des deux formations, je suis obligée de faire deux paiements séparés. Non, non, c'est un seul paiement. Tu fais un seul paiement. Je n'arrive pas à rejoindre le groupe privé pour les deux formations. Pour le groupe privé, si vous êtes sur le Discord... Notifiez-moi avec @jnl sur le Discord et dites-moi les formations que vous avez prises et c'est moi qui vous intégrerai au groupe privé. C'est parce que ce sont des salons privés, c'est pour ça. Je dois vous donner l'autorisation pour que vous puissiez y avoir accès. Tu fais des miracles. Où trouves-tu ces noms de pulls? Dans la mythologie grecque. Donc c'est quelque chose que Matou et moi on aime beaucoup. Donc du coup c'est vrai que c'est venu tout seul en fait que les modèles aient des noms de mythologie grecque. Par exemple, pour mes chaussettes à la carte, il y a les chaussettes Cassandre et il y a les chaussettes Hector. Donc voilà, c'est vraiment lié à la mythologie grecque. Pour les entrées sur Discord, patience, ça se fera après la radio. Oui, oui, je vous intégrerai après la radio, hein, là je suis pas sur Discord. Est-ce qu'on peut avoir cette offre dans quelques mois ou c'est seulement une offre de lancement, idem pour les chaussettes? Alors, comme le Matou il a bien répondu, rien n'est prévu pour de prochaines promos pour l'instant, mais en tous les cas, s'il y a des prochaines promos, de tous les cas, vous serez tenu au courant, bien entendu. Est-ce qu'on peut faire un gilet avec la formation pull? Non, on ne peut pas faire de gilet avec la formation pull, mais je réfléchis peut-être à faire d'autres éléments. Donc, Angie, non, on ne peut pas faire de gilet avec la formation pull, on fait que des pulls. Parce que dans le gilet, il y avait d'autres techniques que je voulais aborder. Et c'était vraiment... j'avais l'impression de m'éparpiller. Donc vraiment, pour moi, j'ai voulu concentrer sur pull à fond. Et pour gilet, on verrait plus tard. Donc vraiment, c'est focus gilet, c'est focus pull à fond. C'est que des pulls. Même si j'aborde quand même la technique des boutonnières dans le... dans aiguille droite, j'aborde la technique des boutonnières, mais je parle vraiment pas de gilet. Donc non, ça sera autre chose les gilets. Voilà. Bon, écoutez les triconautes, ça m'a fait super plaisir de passer un moment avec vous. J'ai passé un super bon moment. Vraiment, merci beaucoup. J'espère que je vous verrai lors du prochain tricoté virtuel, par exemple mercredi prochain. C'est Anne, c'est bien mercredi prochain, je pense pas me tromper si je dis mercredi prochain pour le prochain tricoté virtuel sur le Discord. J'espère vous voir au prochain tricoté sur Discord parce que la dernière fois j'avais vraiment passé un bon moment avec vous. Et là j'ai passé un bon moment aussi. Olivier, as-tu fait une aide sur le pull islandais? Non, pas encore. Pas encore Olivier. C'était un super dimanche après-midi, vivement mercredi 16h pour papoter avec vous. Oui, j'ai vraiment hâte. Mercredi prochain à 16h, oui c'est bien ça. Donc Anne me confirme pour le tricoter. Bon, en tout cas les triconautes, si vous n'avez pas d'autres questions,
je pense qu'on va aller sur une fin de radio. J'y serai mercredi, c'est encore passé trop vite. Merci pour tous ces bons conseils et félicitations pour la formation. Merci beaucoup. Et celui du soir, vendredi prochain à 21h. Oui, voilà, il y en a deux de tricoter virtuel. Il y a le mercredi à 16h et le vendredi soir à 21h. Première fois que je reste jusqu'à la fin. Merci beaucoup, c'était vraiment sympa. À dimanche prochain, bonne semaine à vous deux. Super, merci beaucoup. Bravo encore à la super team. À bientôt avec grand plaisir. J'ai pas tout compris sur le goûter, le groupe tricoté virtuel. Yayoun, tout se passe sur le Discord. Donc rends-toi sur le Discord et on répondra à tes questions. Cet épisode fut riche en enseignements et en émotions. Mille merci pour ce super moment. Comme d'habitude, je vous quitte avec le sourire car je sais qu'on se revoit la semaine prochaine. J'ai pris tantôt la formation aiguille circulaire. Je voudrais prendre aiguille droite. Puis-je avoir la réduction en plus si on prend les deux? Monique, contacte-moi par mail. Contacte-moi par mail, on va se débrouiller, t'inquiète pas. À dimanche prochain, un grand merci à vous deux. Félicitations pour les deux bébés, gros bisous. Toujours agréable, merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup pour votre soutien. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout durant cette radio. Moi, ça m'a fait plaisir d'être avec vous. N'oubliez pas que la promo, c'est jusqu'à dimanche prochain. Après, c'est fini. Donc, c'est dimanche prochain, vous pouvez profiter, je répète, de la promotion sur aiguille droite, aiguille circulaire, mon pull à la carte, ces deux éditions-là. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une excellente semaine, je vous fais plein de bisous, je vous aime fort. Allez, ciao ciao! Et on se dit à dimanche prochain, bien sûr. Même jour, même heure. Allez, ciao!